Posez un miroir éclairant. Le miroir éclairant vous apporte une meilleure visibilité et une pointe de design en plus qu'un miroir classique. En seulement quelques étapes simples, il illuminera les visages de toute votre famille. Étape 1, l'avant-pose. Il existe une norme de sécurité relative aux installations électriques dans les salles de bain. L'arrivée électrique qui servira à raccorder votre miroir éclairant doit être située au minimum à 60 cm d'un point d'eau. Et comme pour chaque intervention électrique, avant toute chose, coupez le courant au compteur. Étape 2, installer les fixations murales. Placez votre miroir à blanc au-dessus du lavabo pour définir son futur emplacement. Posez-le ensuite au sol en le protégeant correctement. Prenez les différentes mesures des deux points de fixation du miroir, la largeur et la hauteur. Dans notre cas de figure, la largeur du lavabo et du miroir est identique. Donc, nous allons partir du bord du lavabo pour un alignement parfait. Dans le cas contraire, partez du centre du lavabo. En partant du bord du lavabo, utilisez un niveau à bulles pour tracer une ligne verticale sur le mur jusqu'à la hauteur voulue. Utilisez le mètre pour choisir la hauteur du miroir. Puis, tracez, toujours au niveau à bulles, une ligne horizontale sur laquelle nous viendrons tracer les repères de fixation du miroir. Mesurez, au dos du miroir, la distance qui sépare les fixations. Vous pouvez maintenant reporter les repères sur la ligne horizontale du mur. Percez les trous de fixation en veillant à utiliser un foret adapté au support. Puis, placez les chevilles également adaptées. Vissez les fixations à la main pour terminer l'installation. Étape 3, raccorder à l'électricité. Commencez par dénuder les câbles avec une pince à dénuder. Pour raccorder les branchements au miroir, préparez la phase et le neutre avec un bornier, puis faites de même avec la terre. Ensuite, raccordez la phase et le neutre au miroir avant de replacer les fils dans la boîte d'encastrement. Pour finir, posez votre miroir sur les crochets. Il est opérationnel. Il ne vous reste plus qu'à remettre le courant.